Hello, hello les potos, c'est Chêne Glacier. Voilà, sur un nouveau jeu. Le dernier MXGP 2020 motocross. Alors, on va l'essayer. Allez, on va essayer ça. Alors. Ça flotte. Voilà. Ah, je perds des places. Alors, à comparer celui-là que j'avais joué, celui-là. Il a l'air plus joli graphiquement. Ils ont fait des progrès sur le graphisme apparemment. Sur aussi le terrain. Là il est mouillé, on voit que je glisse énormément. Très très dur à contrôler la moto. Plus sensible. Fait. Je crois qu'ils ont fait gros travail sur le terrain. La moto aussi est beaucoup plus sensible. Là, je suis content, ouais, j'ai l'impression qu'ils ont travaillé sur le graphisme. Si c'est pas
il y aurait mieux, quoi. Et ils ont travaillé dessus, j'ai l'impression. C'est déjà ça. Bon, c'est peut-être qu'une impression. Là, ce qui est sûr, c'est que le terrain, on sent bien vraiment la moto glisser. Quoique, ouais, ils ont vraiment travaillé sur le terrain cross. C'est assez compliqué à gérer. Qu'est-ce que je fais? Là, je suis raté encore. Ça pardonne pas hein, quand vous ratez les boss.
Allez, reviens, qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est pas possible ça. J'ai beau tourner, elle revient pas la moto. Oh là là, c'est horrible comme ça crie, c'est horrible. À la longue, ça devient pénible. Ah, je trouve qu'on avait plus de sensations dans l'autre d'accroche, quoi. Ah, c'est vraiment, on dirait que la moto fait que ça de glisser. Sorti, c'est horrible. Ouais, je suis en train de découvrir comme vous ce dernier opus là, et je commence à être très très déçu. Plus de sensations. Deux fois plus de sensations dans l'autre que j'ai joué. Celui-là, on dirait vraiment vrai savonnette. Voilà, la moto, on n'arrive pas à la contrôler, on n'arrive pas à la mettre droite. Elle glisse, elle fait que ça. J'ai pas regardé à combien il était noté celui-là. Je perds toutes mes places. C'est vraiment, il est trop pénible. Rester concentré sur une moto qui glisse tout le temps. Ouais, c'est. Ouais. En espérant que c'était que le circuit qui était comme ça et que d'autres, on verra la différence. Allez, on a changé, on va voir.
là, le toucher de terre, il est différent. Là, on voit en fait, ils ont beaucoup travaillé sur le terrain. Hein. Ah, la moto, elle monte partout, quoi. Elle passe à tout prix. Ouais, que je regarde dans les réglages. Cette moto, elle a l'air d'aller mieux. L'autre, elle était trop puissante pour moi. Ah, pour essayer de faire tomber. C'est quand même fort, hein. Allez, dérape! Dérape, dérape! J'ai perdu trop de temps là. Travers que j'ai fait là, elle a dérapé au lieu de tomber. Là sur l'autre jeu que j'ai fait, MXGP2, je serais tombé travers comme ça sur un saut. Donc ils ont fait du progrès là-dessus. C'est plutôt bien. On voit les petites améliorations, mais la sensibilité par contre elle est trop. Ouais. Forte, alors est-ce qu'il y a un réglage à faire? Je suis quatrième, ah, c'est dommage, j'ai perdu une place. Là, je sais pas comment j'ai fait. Accélère. Ah là j'ai fait une sortie, vous voyez? Là j'ai fait une sortie à comparer de MXGP2. Je m'aurais remis sur le circuit. J'aurais perdu des secondes.
ça c'est pas trop mal. Enfin, je prends sûrement des pénalités, mais c'est toujours mieux que de redémarrer. Garder moins de temps. C'est plus réaliste aussi. Très très compliqué, ouais. Ouais. Ils ont vraiment fait ouais, gros gros travail sur les terrains cross. C'est plus plaisant quand même de rouler là-dessus. Même si voilà, c'est très plus dur à gérer la moto, quoi. Vraiment beaucoup plus dur. J'ai un peu triché, j'avoue. Ah non! Oh! Voilà, là j'ai vraiment perdu ma deuxième place. Là je peux m'en vouloir, c'est moi qui ai essayé de tricher un peu. Là pour rattraper, maintenant je rattraperai pas. Après pas, et puis en plus de ça je fais des grosses erreurs. Déjà si j'arrive troisième, ça c'est déjà bien. Et j'aurais pu finir deuxième. Franchement, ouais. J'aurais pas dû couper le virage, je sais pas pourquoi. Je dirais que ça va mieux. Ça va beaucoup mieux.